I don't need what the next man shows. I say gusa, love me mother, send the dollar, that's just all I say. Undercover, then they call me, yes, so boom, bye. What you ready, thanks for waiting. Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver un Tuesday. C'est un petit peu de la triche. Parce que je vous retrouve aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous retrouver aujourd'hui avec la July Fashion, mais qui vous trouve en ce dimanche 1er août. Mais c'est le calendrier, ma bonne dame. Qui puis-je? Donc, ce n'est pas bien grave parce que l'essentiel est ce que j'ai à vous partager, les filles et les garçons. Je préfère vous dire une chose, j'ai fait les soldes. J'ai fait des affaires de ouf. Et dans cette vidéo, un petit peu de tout, du très luxe. Mais déjà maison Dior, du très abordable, beaucoup de choses de l'hiver, parce que moi je vous l'ai déjà dit sans tabou, et c'est vraiment le bon plan, j'achète en été les choses de l'hiver. Donc, maintenant je le dis de manière complètement assumée, beaucoup de manteaux dans cette vidéo, et des j'espère de tout cœur qu'ils sont encore disponibles, parce que la beauté des pièces, parce que non seulement j'ai du manteau, mais j'ai de la doudoune, et j'ai de la doudoune au pluriel, et j'ai du beau manteau, et j'ai des choses à des prix, mais les discounts, j'ai attendu quasiment la dernière des marques. Mais là, les filles et les garçons, j'ai attrapé des choses qui coûtent plus de 100 euros pour un peu moins de 30 euros. J'ai fait des affaires et des choses. Donc dans cette vidéo, beaucoup de manteaux, beaucoup de manteaux, beaucoup de souliers. De la chose, mien c'est. De la chose lounge, de la chose sneaker, beaucoup de sneakers, des choses de ouf. Un gros dossier dans l'univers sportswear, beaucoup de sportswear, mais ça va être la der des der. Il y a un nouveau divorce. Il y a un nouveau divorce, bon. Et des choses et des choses. Dans le même temps, du très peu cher. J'ai trouvé des tonnes de magnifiques choses sur Amazon. J'ai également du H&M, donc vraiment, il y a quand même du très peu cher. Il y a du Reiss cachemire dans cette vidéo, bien sûr, là également soldé, toute une saga, et du naked, et les choses, et de l'accessoire, et peut-être encore un petit cadeau pour vous. Donc je commence tout de suite, les filles et les garçons, comme à l'accoutumée, immédiatement avec ce qui est tout de suite devant moi, mais là pour l'instant je vais prendre une chouquette. Il fait chaud, donc j'étais en petit débardeur et il faisait, en fait c'est pas qu'il faisait frais, mais il y a l'orage. Donc je me suis dit je vais mettre un petit cardigan de famille, et là maintenant devant, c'était parfait dans la vraie vie, mais là maintenant que je suis devant toutes les lumières, là c'est un petit peu compliqué. Mais la vérité, ils sont trop beaux, c'est grave. Les plus fidèles d'entre vous le savent. Meraki dans les Mérinos, ils nous ont sorti les cardigans en V. Il y avait les cardigans à col rond que vous ne connaissez que trop. Là, ils nous ont sorti les V. Donc, pour vous, j'ai mis un petit quelque chose de caraco en dessous. Mais je vous prie de croire que dans la vraie vie, je mets rien en dessous. Borderline. Bon. It's a new life. Je commence tout de suite avec ce petit quelque chose que j'ai attrapé chez H&M. J'espère de tout cœur qu'il sera encore dispo. C'est pareil, il ne paye pas de mine quand on le voit comme ça, mais porté, il est d'une grande puissance, grande efficacité. Le petit débardeur, en, je ne sais pas comment vous le voyez, il est plutôt beige chiné gris. Plutôt que blanc, j'ai l'impression que vous le voyez blanc, je vous le mets là à l'écran. Il est croyant. Donc mon erreur, pardonnez-moi, c'est que j'aurais dû prendre le S, j'ai pris le M. C'est un peu lâche, je vais les faire reprendre et je dis les... parce que j'ai acheté son frère jumeau dans le vert amande, qui est absolument magnifique. Je vais les faire reprendre par Monsieur Olivier, parce que j'ai essayé d'attraper le S, et le S n'est pour l'instant malheureusement plus en stock, j'ai mis une alerte. Mais là, ils ont été méchamment soldés, ils sont à 4 ou 5 euros, me semble-t-il. Donc, plutôt que de les renvoyer et de prendre le risque de ne jamais les retrouver, ben, je vais les faire reprendre par Monsieur Olivier. Donc voici, et alors Monsieur Olivier, c'est vrai que là je lui ai confié un manteau Karen Millian. What? Je ne manquerai pas de vous le partager, une saga, moi c'est tout le temps des sagas, je suis là, je demanderai à personne. Mais il m'arrive des choses, bon. Mais je ne manquerai pas de vous le partager en temps voulu. Donc voici pour ce premier débardeur que j'ai attrapé chez H&M. Cool. Ça avec un des pantalons en laine, hein. Tu sais, rentrer dans le pantalon avec une mioule à talon, un beau talon. Et j'ose. Voilà, j'ose. Vous êtes en vacances ou pas?
J'espère que vous êtes bien. Parce que là, on a plongé dans le vif du sujet de la vidéo fâchien. Et il n'y a pas d'essayage dans cette vidéo, les filles et les garçons. Mais quand même, on n'est pas des sauvages, je prends des news. Tout de bien? Tout de bon? Vous êtes bien? Vous êtes au max? Vous êtes parti ou pas? Dites-moi. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous faites cet été. Et donc, Chibi, on suit toujours chez H&M. Bon, ben là, c'est un petit pantalon en lin. Parce que là, je faisais référence à l'instant aux pantalons en lin que vous ne connaissez que trop, eux, là. Si j'arrive à vous retrouver la photo. Mais qui sont plutôt habillés. C'est une coupe plutôt droite, plutôt habillée. Vous vous souvenez, je les attrapais dans toutes les couleurs, etc. Là, c'est toujours un linen blend, donc un mélange de lin. Mais plutôt casual, parce qu'on atteste déjà en premier lieu la taille élastiquée, bien sûr. Ça, c'est quand tu sais que soit tu vas zoner, soit tu sais que tu vas les manger. Les churros, tous les trucs de l'été. Il est craignant. Coupe large, très mignon. Voilà, j'ai pris le noir, ça passe avec tout. J'aime bien ça quand je pars en vacances, pas zoner, par exemple. Donc, voici pour ce petit pantalon. Pour l'instant, c'est tout pour H&M, mais il va y avoir encore du H&M un petit peu plus tard dans les accessoires. Et Chibi, on suit avec... Ah, je fais les bêtises. La mode Amazon. Bon, ben la mode Amazon, comme à l'accoutumée, j'ai attrapé des tonnes de choses. Vous connaissez mes marques Temple, Meraki, dont je parlais à l'instant, Find, Iris, Lily, les classiques sont là, quelques twists, ça et là. Ah, il y a beaucoup de Mango dans cette vidéo, est-ce que j'ai cité Mango? Donc, pour commencer avec Find, j'ai attrapé ce petit, j'ai adoré la couleur. Je ne sais pas comment vous le voyez, c'est un petit débardeur en effet soie satin. J'adore le détail de la bretelle qui est boutonnée à l'arrière. Et on peut régler la hauteur de la bretelle. J'ai adoré ce détail. J'aime le V, c'est un V polite. Mais j'adore la couleur, je ne sais pas comment vous le voyez. C'est ni un rouge ni un orange. C'est un rouge orangé. Un rouge orangé Bourgogne. Ça sur une peau bronzée. Efficacité. Donc, je l'ai trouvé super mignon, super mignon. Et puis, c'est ce textile qui tolère de n'être pas trop repassé. Tiens, c'est vrai que pour moi, c'est une problématique. Donc, ceci est alors toujours chez les marques Amazon et toujours dans le rouge satiné. Mais là, c'est Amazon The Drop. Les filles et les garçons, j'ai craqué pour le short. Et peut-être que vous imaginez que c'est un short que je vais porter en loungewear à la maison, mais pas du tout. J'envisage vraiment de le porter outside. Avec un beau débardeur en V, un blazer dont je vais remonter les manches, et une belge sandale à talons. Elle a la boucle d'oreille à la pachouka. La pachouka. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire parce que là j'étais en train de m'imaginer le look avec les boucles d'oreille et tout. J'ai un chapeau dans cette vidéo, j'ai acheté un nouveau chapeau, les filles d'une grande bretelle. Je préfère dire une chose de mon fournisseur habituel. Est-ce qu'il y a une mèche folle là? Oui, hein. Ah, ben, je l'ai trouvé super. Ça me rappelle un tout petit peu les shorts de boxe, les Everlast, tu sais, les shorts de boxe. Mais là, il est plus, je vous le mets là à l'écran, plus chic et plus... Je prévois vraiment... Est-ce que j'ai pris du L? Non, j'ai pris du M. J'ai l'impression qu'il est bien. J'ai vraiment l'intention de le porter de manière très habillée, très chic, très très sexy comme ça, Borgos. Mais je casse avec un blazer long. Donc je remonte les manches. Il me semble qu'il existait dans d'autres couleurs. Chez The Drop, c'est une collection, c'est la collection The Drop, c'est pas le Drop en collaboration avec une influence, c'est vraiment The Drop, les basiques. Et donc, Chibi aussi. Alors là, je parlais de Meraki à l'instant. Les plus fidèles d'entre vous se souviennent de ce pantalon chez Meraki. Là, on est en été, je l'ai ressorti. Les plus fidèles d'entre vous le savent, c'est un pantalon que je ressors immanquablement chaque été. Je l'ai porté à Vegas, vous m'avez vu le porter à Vegas, je l'ai porté à LA, je l'ai porté partout, je l'ai porté dans le kaki, dans le noir, dans le gris. Et bien c'est le même, c'est un tissu qui est jogger, mais jogger classe, élégant, et qui ne se froisse pas. Et donc ils nous l'ont sorti, ce que j'aime dans ce modèle-là, c'est sa coupe très particulière. Ils nous l'ont sorti en jogger, mais dans le même coloris, pour ce qui est du kaki, et dans la même matière, et le voici. Je ne pouvais pas ne pas l'attraper, donc. Mais je le trouve super. Ils sont vraiment super. Super, le petit cordon à la taille. Je vous le mets à l'écran, mais alors là, je vous prie de croire. Meraki, ça vaut davantage pour Meraki, toutes celles et ceux d'entre vous qui ont attrapé les pépites le savent, le vérifient.
les photos de Meraki, je vous jure, ne font pas du tout honneur au produit. Cette photo-là ne le vend pas, le pantalon. Mais porter, c'est une tuerie. Je vous assure. Ah, donc, je vais voir s'il n'y a pas le noir et le gris. Mais mon préféré, mon coloris préféré, c'est vraiment le kaki. Donc, je suis contente d'avoir attrapé le kaki. Et vous savez que je mesure 1m79 sur la longueur, pardon, il est nickel. Que je le porte en casual avec une tennis ou avec une petite sandale à talons, une petite sandale mignonne. Elle a pas de chouluk. Ils sont super. La matière, les filles, je vous assure. C'est un peu stretchy, mais il se tient. Ça fait sens? Et il est sympa avec les zones de cellulite. Parce que quand c'est trop fin, il faut trouver le juste milieu. Quand c'est trop fin, c'est confort, c'est respirant. Mais ça trahit un peu la... Enfin, moi j'ai la cellulite. C'est l'une d'entre vous. J'ai découvert, je suis en train de tester un truc là par rapport à la cellulite. Si c'est efficace, je ne manquerai pas de vous le partager. Si c'est vraiment efficace, c'est la révolution nucléaire. C'est une révolution dans notre monde. Sans rire. Bien sûr. Ça aurait été le secret le mieux gardé de la planète. Donc là, je pense que j'ai titillé votre curiosité. Oui ou pas? Mettez-le en compte. Mais dans l'intervalle, voilà, on essaye d'aller vers les vêtements qui sont plutôt forgiving. Dans ce spécimen est. Bon. Et donc, Shibi ensuite, toujours sur Amazon. Bah, je les ai devant moi, je les traite tout de suite. Toujours chez Find. Bon, mais Find, ce petit pantalon, j'ai adoré le détail à la taille. Et j'aime également la matière, qui est une espèce de... Tu sais, presque comme une peau de pêche. C'est pas du velours, mais peau de pêche. Ça vous parle ou pas? Le toucher, là, sur la peau, c'est incroyable. J'ai adoré la taille. J'ai adoré le petit détail à la taille. Je sais pas si vous parvenez à le voir, parce que noir sur noir, je vous le mets là à l'écran, il y a le petit cordon de serrage. Il est sublime. Il est sublime. Il est très simple, mais super efficace. Donc il est vraiment polyglotte, c'est-à-dire que vraiment je peux aussi bien le porter avec une chaussure plate, un débardeur pour aller zoner avec mon panier en osier chercher mes légumes sur le marché, tiens ça. Mais habillé, accessoirisé et tout, je peux parfaitement le porter au restaurant le soir sans problème. Il est vraiment très beau. C'est ce petit détail à la taille moi qui m'a attrapé bien sûr. Fausse poche, passepoilée sur l'océan, craignant. Ça, il faut qu'il nous le sorte dans le beige ou le camel, c'est pas possible autrement. Et le rouge! Bien sûr. Bien sûr. Et donc, chez lui, on suit. Bon, ben là, on est dans un jogger, mais c'est vrai que c'est pareil. C'est un jogger que je prévois de porter avec des chaussures à talons. Une sandale. Tu sais, la sandale minimaliste, elle, là, que j'ai attrapée, donc qui fait partie, qui est une cousine directe de mes escarpins Audrey chez Mango. Vous vous souvenez de ces escarpins-là? Vraiment les minimalistes. Eh bien, avec ce pantalon, la couleur. Je ne sais pas comment vous le voyez, il est brique. Tu sais brique? Je vous mets là à l'écran. Mon seul regret, je pense que j'ai voulu prendre plus grand. C'est cette fameuse marque Good Threads. Vous vous souvenez, j'avais attrapé beaucoup de choses pour l'homme dans cette marque. Et depuis, je découvre, il ne démérite pas pour ce qui est du prêt-à-porter femme. Vous le savez, j'ai attrapé des tonnes de choses chez eux. Je pensais bien faire en attrapant le L, parce que lui c'est un L. Je me suis dit, oui, je veux vraiment cet esprit baggy comme ça. Il se tient sur la jambe. Vous le voyez au niveau de... Il est resserré un tout petit peu sur la jambe. Il est sur une coupe slim, mais pas fit, juste slim, d'accord? Mais je pense que, fait, c'est pas je pense, le L est trop grand. Donc plutôt que de le renvoyer, celui-là, je vais le donner et je vais attraper son frère jumeau dans le médium. Quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà fait. Bon. Je vais le faire tout de suite, là? Non. Bon. J'ai adoré la couleur. Donc il existe dans toutes les couleurs. Il y a du vert, il y a des choses, etc. Moi, je suis tombée amoureuse de cette couleur. Ça, avec un débardeur à peu près dans les mêmes tonalités. Ou moutarde sur une peau vraiment bien bronzée. Une clavicule huilée, went. Et j'en zone. Un petit make-up glowy, et je zone le soir à Ibiza, sur mon lieu de villégiature. J'aimerais pas trop aller à Ibiza, mais non, mais c'était pour l'image. Donc voilà. Ibiza, non, mais Fuerteventura, ouais, pourquoi pas. Bref. Donc voici pour cette petite pépite donc de Good Threads, what, sur Amazon. Et je suis encore un petit peu, bah, tu vois, j'ai encore l'étiquette.
Encore un petit quelque chose de chez H&M que j'ai acheté directement grâce à toi, ma coquine, Nas. Donc la dernière fois, j'étais au restaurant et j'étais au restaurant avec une poupette et je vous ai partagé Ladies Night, je vous l'ai partagé, elle était d'accord, donc je vous l'ai partagé. Vous étiez tous en extase. Est-ce que c'est Nas? Est-ce que c'est Nas? Donc oui, mais non. C'est une Nas, mais ce n'est pas la Nas. Mais c'est une magnifique Nas. Donc si tu regardes ceci, je te fais un gros bisou. Elle portait cette combi des familles. Je lui dis, I want cheap belt. Elle m'a dit, H&M. Je lui dis, mais comment? Je l'ai acheté une Nico Macias. Je ne l'ai pas du tout essayé, donc j'ai pris le 38. Donc c'est une combinaison... Le rendu sur elle, elle l'a porté avec un blazer, vous l'avez vu, je pense, dans mes stories. Elle l'a porté avec un petit blazer beige clair, comme ça, gris pierre un peu. Et c'était le résultat hyper efficace et perspicace, une grande efficacité. Donc voici la combi. Vous la voyez ou pas? Je vous la mets là à l'écran. Elle existe dans le bleu, elle existe dans le... J'ai essayé de l'attraper dans le beige, mais malheureusement, elle est sold out. Donc j'ai mis une alerte, on sait-on jamais. Mais il me semble qu'en plus, là, maintenant, elle est discountée, donc ça réduit encore les chances de l'attraper, mais j'adore. Petit décolleté en V. Il y a le petit détail au niveau du... J'adore. Très respirante, très légère, très fluide. Faut que je l'ai pas encore essayé. Mais ça m'a coûté, je sais pas, une vingtaine d'euros. Donc, de tout cœur, merci Nas. Grâce à toi, j'ai découvert les pépites que je partage aussi, Stas. Et chi poursuit. Donc là, je l'ai dit... J'attrape en été, et vous le savez depuis toutes ces années, c'est automatique, c'est systématique. J'attrape en été les choses que je vais porter plutôt en automne et en hiver, et vice versa. Non. Je l'ai fredonné dans ma tête, vous l'avez entendu dans vos têtes aussi. Bon. Regarde un peu ce que j'ai attrapé. Là on est sur un vert olive électrique. J'adore, je prévois de porter ça avec un all black look, un look complètement totally black. Tout de noir vêtu, avec une botte. Vous vous souvenez de mes bottes Hugo Boss là, avec le bout en métal? Croyons, hein, qui sont l'une des rares paires de chaussures que j'ai qui ne soient pas pointues. Elles sont un petit peu carrées à l'avant, mais elles sont d'une grande efficacité. C'est-à-dire, c'est une sorte de Santiago, mais chez Hugo Boss, donc hyper classe. Et donc, moi, quand j'ai vu ce pull, j'ai dit non, je le veux. Il y avait une autre couleur, mais j'ai dit, je veux vraiment cette teinte. Si j'arrive à avoir encore un tout petit peu de hub, je mettrai du fake tan, le Titou tan de By Terry, là, sur le chest. Et toute de noir vêtue, avec ce petit pull, là. Je l'ai trouvé super mignon. Donc, la marque, c'est Garcia. Vous connaissez We Are Garcia. Ils sont Garcia, apparemment. Bright Olive, c'est le médium. Je l'ai trouvé super mignon. Et il est de bonne qualité. Donc d'habitude, enfin pas d'habitude, mais dans les années passées, j'attrapais ce type de pièce, tu sais, un peu pilou chevelu là, poilu, chez Zara. Donc évidemment, je ne fréquente plus du tout Zara. Donc je suis contente d'avoir trouvé une alternative. Et puis j'ai l'impression que qualitativement, c'est au-dessus là quand même. Il est vraiment de belle qualité, il est doux sur la peau, je peux le porter à même la peau. Une superbe pièce. Il me semble que c'est le noir qui existe, je pense que je vais attraper le noir. J'ai bien aimé le détail au niveau des manches. Tu sais, c'est pas une manche ballon, mais elle est un petit peu... Il y a un petit rappel au niveau du poignet. Et il y a un tout petit peu de scintillance argentée, mais très très peu. Il y a des petits détails comme ça. Il est mignon. Pas sur tout le pull, hein, mais sur les poignets, là, très mignon. Donc voilà, une nouvelle marque. We Are Garcia. Garcia. Et donc, chi poursuit. Et puisqu'on en est, les filles et les garçons, dans les pulls, donc je vous le disais, j'ai attrapé du... parce que je me mets à l'aise. J'ai attrapé, ça veut dire que je le guette, ça c'est un petit peu comme les... Moi quand je vous dis que je suis sur un tigre système de veille prudentielle, ça vaut pour tout. Les petits pots, là mignons, là, de chez Bouchara, que je vous ai présenté et dans la boutique et dans ma dernière vidéo lifestyle, ma dernière vidéo... Qu'est-ce qu'on fait les filles? On arrête avec les vidéos lifestyle ou pas? Là c'est pareil, les vues, c'est... Je pense vraiment que je vais faire une pause avec les vidéos lifestyle pendant un temps. Parce qu'elle ne vous a pas trouvé, je pense que des 6 derniers mois, c'est la meilleure. Sans rire, c'est la meilleure. Pour son contenu, pour ce qu'il y a dedans. Donc, je sais pas. Dites-moi en commentaire, les filles et les garçons, on laisse tomber les vidéos lifestyle ou pas? Donc, ceux qui les regardent me disent, c'est mes vidéos préférées. Mais en termes de vues, les vidéos, parce que là, on vient de fêter 100 000, vous êtes mon crew. On se parle sans complexe et sans tabou.
ça m'intéresse de faire des vidéos qui font des vues. Ça m'attriste quand je sais tout le travail que je mets dedans et tout le... Ça m'attriste quand j'ai des vidéos qui ne font pas de vues. Ça m'attriste dans l'absolu, mais ça m'attriste quand je vois les succès que rencontrent les gens, hein, avec du contenu pourri, pourri. Donc, est-ce qu'on arrête? Moi, ça m'intéresse de faire des vidéos que vous allez regarder. Donc, let me know. Les vidéos qui font le moins de vues, ça c'est pareil, ça m'attriste énormément, mais ce sont mes vidéos en partenariat avec les belles marques qui me font la confiance. Moi, c'est mon gagne-pain, les filles et les garçons. Quand vous les regardez pas, ça cause du tort, beaucoup. Donc, ça c'est une chose, mais les vidéos lifestyle, jusqu'à présent, moi j'ai des vidéos lifestyle qui flirtent avec le million de vues, vraiment. Donc, je ne comprends pas. Donc, maintenant, ça fait un moment que j'ai renoncé à... Moi, je suis quelqu'un de très cartésien, j'aime bien comprendre les choses. Là, il n'y a pas de logique, donc je n'essaye pas de comprendre, mais je m'adapte. Donc, est-ce qu'on arrête les vidéos lifestyle? C'est une vraie question que je vous pose. C'est pas un système de chantage ou de « oui, vous voulez... » Non, 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 non. Mais si ça vous intéresse plus, moi, je fais autre chose. Je fourmille d'idées, je peux aller dans tous les sens, tous azimuts, moi, mais vraiment. Donc, moi, je les adore, les vidéos lifestyle, et jusqu'à présent, vous les receviez très, très positivement, c'est plus le cas. Dernièrement, donc est-ce qu'on arrête? C'est vraiment une question. Tout ça parce que j'étais en train de faire un parallèle avec les petits pots crayons que j'ai guettés pendant plus de 6 mois chez Bouchara. Il en va de même pour ce pull. Je l'ai guetté plus de 6 mois. Donc la marque, c'est Reese. Reese, vous le savez, j'achète chez eux. Il était très cher. C'est un pull en cachemire qui coûtait 250 pounds. Reese est une marque du UK, vous le savez. Les pounds, ça pique. Ça pique de ouf, je vous l'ai déjà dit. 250 pounds, c'est pas loin de 300 euros pour un pull. Donc je dis, bon, c'est vrai que là... Et en plus, comme à l'accoutumée, il existe dans deux teintes. J'étais le beige et l'ivoire, j'étais incapable de choisir. J'ai dit, je vais essayer de l'attraper à Dubaï. Je savais que j'allais aller à Dubaï. Et je me rappelais à ce moment-là. Je ne savais pas que les magasins Reese avaient disparu dans le Dubai Mall. Je me suis dit peut-être qu'avec un petit peu de chance, je vais les trouver complètement soldés. Parce que je savais qu'à l'époque où j'allais à Dubaï, c'était les soldes chez eux. Et c'était réellement les soldes là-bas. Sauf que voilà, vous le savez, si vous avez suivi mes péripéties, la boutique Reese elle-même a disparu. Et le corner Reese dans les galeries Lafayette, les galeries Lafayette arabiques, a disparu également. Donc je ne l'ai évidemment pas attrapé. J'ai réussi à l'attraper soldé ici. En France. Et donc les filles et les garçons, le pull c'était prédestiné, il s'appelle Duchesno, il s'appelle Ali. J'ai dit c'est un signe. Et le voici. Il est d'une grande beauté. Ce pull c'est la perfection. C'est la perfection. Ce pull c'est la perfection. Je vais le répéter une dernière fois, c'est la perfection. Il est absolument parfait. Tout est parfait dans ce pull. Donc, dans un premier temps, je l'ai dit, c'est du cachemire. Qu'est-ce qu'ils disent? La beauté du mélange de cachemire réside dans sa douceur incomparable. Je vous jure, c'est écrit. Provenant des meilleures origines sélectionnées par des experts et offrant la plus haute qualité, il confère à ce vêtement des sensations et un aspect luxueux. De par sa nature délicate. Il peut être sujet au bolochage. Le passage en douceur d'un peigne anti-bouloche lui redonnera son aspect d'origine. Moi, vous savez que j'utilise religieusement le... Pas du tout l'attrape-bouloche de Philips, hein, que j'utilise volontiers sur la laine, mais pour le cachemire, c'est lui. C'est le peigne pour le cachemire, vous le savez. Donc, il est en cachemire. Donc, déjà, le cachemire. Et c'est un beau cachemire. Ensuite, évidemment, ça coupe. L'espèce de col, c'est pas un col cheminé, mais c'est pas non plus un col, c'est un « oh là là ». Et, qui est un terme technique, bien sûr, « oh là là ». La couleur, la longueur au niveau des manches, la longueur au niveau de la taille, j'ai pris du « small ». J'avais attrapé le « M » et finalement j'ai gardé le « S ». Donc j'ai la chance de l'avoir attrapé à un petit peu plus de 100 euros, 120 euros me semble-t-il. Donc, je me suis permise d'attraper son frère jumeau dans les crues, ivoire et cru. Donc là, vous le voyez, blanc bizarre. Je vous les mets à l'écran. Il est ivoire et cru. Et il me semble que lui était moins cher que le marron, que le beige. Il me semble qu'il y en a un des deux qui m'a coûté 90 euros.
Donc au final, j'ai fait une très très belle affaire. Et je suis absolument ravie. Et ça, ah là là, cet hiver, sous un blazer, avec une gavroche, une... Ah le look! Une botte, hein. Ah le look, le look, le look. Non, non, bien sûr. Bien sûr. Crenant. Et il s'appelle Ali. C'est pas un truc de ouf. Lazare. J'ai dit ça aussi. Ça vous le fait aussi ou pas? Quand vous faites du shopping et que c'est un truc dont vous n'avez pas nécessairement besoin, mais que c'est un truc vraiment qui vous fait très envie, vous essayez de trouver des raisons supérieurement fondamentales. C'est vrai ou pas? Bon. Moi j'ai dit c'est un signe, il s'appelle Ali. Ben, tu me laisses, c'était le solde. Crénant. Je voulais absolument vous le partager. Je sais pas s'il est encore disponible au moment où je vous parle, mais si c'est le cas, c'est le deal de la life. Parce que je vous dis, il était, je crois, vraiment à plus de 300 euros. Parce que du coup, rapporté à l'euro, waouh. Donc, je suis mais on suit. Ah, si vous savez comme ils sont tombés bien élevés. Bon, je vous jure, si je pouvais vous tourner la caméra. Là, c'est paranormal activity. Je vais faire une capture ou le téléphone. Ils sont tombés de manière très civilisée et courtoise. Bon. Et je suis mais on suit. Je poursuis avec mango. Donc là, j'ai du mango. Je les ai même pas déballés du... En fait, si, je les ai déballés, mais j'ai encore le... Des petits hauts, ben là c'est pareil, je les ai attrapés en solde. Là ça m'a coûté je crois 4 euros. 3,95 €. Des petits hauts, et je dis des parce que j'ai le frère jumeau dans le kaki. Sur un épaulé, mono épaulé jeté. J'adore ce type de hauts. Ils sont d'une grande efficacité. Il y a un tout petit rappel froncé sur les latéralités. J'adore ces petits hauts. Généralement je les porte, c'est pas généralement, je les porte quasiment que avec un pantalon taille haute. Tu as ça? Paper bag, pourquoi pas, why not, mais pas que. Et je les ai trouvés vraiment mignons. Donc, mango. Ah oui, ben ils mettent pas le prix parce que c'est online. Je les ai attrapés en ligne. Mais j'ai attrapé également le kaki. Donc, d'après l'étiquette, c'est du polyester recyclé. Committed, eco-friendly. Ce sont des textiles donc recyclés. Légèrement côtelés comme ça. Si j'arrive à vous retrouver les photos telles que portées par le modèle, je vous les mets là à l'écran. Parce que pas des sièges dans cette vidéo, les filles et les garçons. Mais très très beau. Stretch, mais juste ce qu'il faut. Et j'ai pris ma taille classique qui est le médium. Crène. 3 ou 4 euros. Les soldes. Et donc, chibi au suit. Donc là, un tout petit segment naked. Moi, vous le savez, depuis que j'ai renoncé à toutes les entités de groupe Inditex. J'ai noté avec le temps, parce que moi, je n'ai pas de tabou. Deux choses par rapport à Zara. La première, j'ai noté que la marque qui me manque le plus, c'est Massimo Dutti, étonnamment. Ce n'est pas Zara. Ce n'est pas Zara. C'est vraiment Massimo Dutti. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est en été, que d'habitude j'achète en été le lin, les choses et tout, je ne sais pas. Mais là, c'est plus Massimo Dutti que Zara qui me manque. Mais en tous les cas, je l'ai dit, cette séparation, cette rupture définitive m'a fait m'intéresser à davantage d'autres marques, parmi lesquelles Naked. J'attrape des tonnes de choses, je vous renvoie à mes vidéos précédentes, les trench dans la méfachéen, qui ont fait un grand succès parce que nous là, on avait des giboulées, il pleuvait de manière... Moi j'ai sorti les trench, les patcho look, les deux hyper efficaces, le beige et le camel plutôt, et le versauge. Ah, le versauge avec le... Bien sûr, si, j'espère qu'il est toujours dispo, je vous le mets en barre d'infos si c'est le cas, crénant. Donc là, j'ai attrapé chez eux des pantalons. Bandalon. La couleur. Et la coupe de ce trésor absolu. Donc, je ne l'ai pas encore porté. J'ai pris le 38, c'est le long leg twill suit pants. Je ne sais pas s'il a sa veste pour faire un suit, mais en tout cas, c'est un pantalon donc à pince, bas de costard. Il est absolument sublime. Donc, dans le cas, dans le doute, j'ai attrapé le 40. Mais je pense vraiment que c'est le... Parce qu'ils étaient soldés, je les ai attrapés illico massias, quitte à les retourner. Ben, je vais en retourner un des deux, évidemment. Sustainable choice. D'accord. C'est sustainable. Joséphine HG. C'est une collection particulière? C'est une collaboration chez Naked? Je ne sais pas. Eh ben, crème. Il est épais, juste ce qu'il faut, si j'arrive à vous trouver le mannequin. Moi, je prévois de le porter avec un ourlet en bas. Ça fait sens? Mais un grand, un ourlet large. Vous voyez un petit peu le look ou pas? À voir. Et j'ai pris son frère jumeau dans le marron. Merci.
Donc le marron, il y avait un suspense, j'ai pas réussi à attraper le 38, donc je n'attrapais que le 40. Donc si ça va pas, je le renverrai, mais celui que je voulais vraiment, vraiment, c'était cette teinte absolument sublime, le Versauge. Que je trouve très très... j'adore cette couleur. Je la trouve apaisante. Ça fait sens ou pas du tout? Je l'adore, je trouve vraiment vraiment très classe, très chic, très chic. Avec un... là pas nécessairement une sandale, mais un escarpin à bout pointu. Nude. Bien sûr. Bien sûr. Les Audrey beige clair comme ça. Vous savez que les Audrey, elles existent. Mais, ou le moutarde, elles existent dans les deux là. Les deux options, ils vont très bien avec lui. Et mon petit débardeur United Colors. Là, la patch look. Je vous ai constitué la patch look. Faut que je me dépêche, je pense, de renvoyer l'un des deux parce que je pense que je suis borderline sur la date. Donc, voici pour les pantalons chez Naked. Et le dernier article, j'ai encore, tu vois, le bazar. Le dernier article de chez Naked, je l'ai trouvé hyper mignon. Et maintenant que je l'ai entre les mains, il est exactement ce que j'espérais qu'il soit. Un petit top. Moi, je suis très regardante sur les tops qui font vraiment la différence à les patch look. Il a pas l'air, là, il paye pas de mine. Mais porter les filles, c'est une tuerie. Je sais pas comment vous le voyez. Bon, là, il y a trop de lumière et tout, vous le voyez. Ça vous aveugle, vous êtes aveuglé ou pas? Je vous le mets là à l'écran. Les filles, la qualité de la matière, le tombé qu'il offre, il est d'une grande efficacité. Donc ça, avec un soutif sans bretelles, où il n'y a rien qui vient gâcher le bazar. Là. Il ne faut pas faire ça, les filles, ça gâche tout, c'est dommage, c'est terrible, terrible, terrible. Et donc, la patchouk. Crenant. J'adore la couleur. J'aime le petit liseré central. Il a une forme trapèze au niveau de la taille, mais c'est pas tellement important parce que je sais que moi je vais le porter rentrer dans le bottom que je vais porter, qu'il s'agisse d'une jupe. Ça avec une jupe tube taille haute là. Vous le voyez le poche look ou pas? Il faut visualiser le look. Crénant. Mais ça c'est pareil, je vais voir si je peux pas trouver le noir. Ou un gris, top, quelque chose. Quelque chose. Crenant. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime la matière au niveau de l'encolure et des aisselles, là. Mais j'aime surtout, surtout la matière principale. Il est fluide, comme ça. Très beau tombé. Et là, c'est pareil, je l'ai balancé, ça fait des plusieurs jours, là, qu'il est pas froissé. Pour moi, ça compte. Et donc, chibio suis avant d'attaquer les manteaux, toujours chez Mango, toujours dans les soldes, j'ai attrapé cette petite... C'est une veste sans bouton, sans ceinture, sur un esprit kimono. Vous l'avez vu passer ça ou pas? Je vous le mets là à l'écran. Au départ, j'ai craqué sur lui. Moi, vous savez que je suis Madame Suit. Et c'est vrai que depuis que j'ai divorcé de Zara, ben, les Suit, c'est un peu plus compliqué. Honnêtement, je pourrais ne plus jamais acheter de suit jusqu'à la fin de ma vie et je suis couverte. Parce que j'ai un suit, je le dis modestement, j'ai un suit dans toutes les couleurs, dans tous les styles, pour toutes les circonstances et toutes les saisons. Je préfère vous dire une chose. J'ai un rack qui est vraiment, 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 vraiment très, très long. Et ce ne sont que des suits. Donc je peux ne pas... Mais je serais pas malheureuse donc de ne plus acheter chez Zara, c'est pas... Mais lui, je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est le bas qui m'a attrapé et le bas est un short. Et le bas, le voici. Donc ça, c'est... je suis à Positano. Où je suis à Mykonos, quelque part. Et c'est le soir, on va dîner au restaurant, j'ai un sac baguette sous le bras, un chapeau. Une peau luisante, allez, un vernis rouge, et un jeansan, chaussures à talons, minimaliste, pareil. Le petit short, presque short Bermuda, parce que c'est pas le short court, hein, il est presque près du genou, là. Dans cette couleur, je sais pas comment vous le voyez, je vous le mets là à l'écran. Et taille élastiquée, donc casual, mais habillé. Et c'est lui qui m'a fait découvrir donc la veste assortie, c'est-à-dire cette espèce de veste kimono crénon. Et les deux portés ensemble, si j'arrive à trouver la photo, les deux portés ensemble, c'est d'une grande efficacité. Mais moi, en été, j'aime ça. Il fait chaud, c'est caniculaire, mais quand même, on sort au restaurant.
Et puis possiblement le soir, il va y avoir une petite brise, ça se rafraîchit un peu. Bon, il faut être préparé. Bien sûr. Ça, je remonte les manches. Je retrousse les manches. Vous la connaissez la technique, hein, avec les élastiques à cheveux qui sont cachés dans le... Bien sûr. Donc j'espère de tout cœur non seulement que j'ai réussi à vous montrer les photos à l'écran, mais que les articles sont toujours disponibles. Donc le médium dans les deux, et là c'est pareil, ils sont committed, hein, donc c'est des matériaux recyclés. This product contains tensile modal. Bien sûr c'est marqué chaqueta, chaqueta kimo. Bon. Parce que vous le savez, mango c'est espagnol, c'est la chaqueta. Ça. C'est efficace chaqueta, c'est vrai ou pas? C'est efficace. Ça me rappelle quand j'allais beaucoup à Lisbonne. Donc à Lisbonne, les Mango et les Zara, en fait toutes les entités du groupe Inditex, les Zara, les Massimo Dutti, tous, ils pratiquent au Portugal les mêmes prix qu'ils pratiquent en Espagne. Ça vous est probablement déjà arrivé en allant chez Zara ou chez Mango de soulever comme ça subrepticement l'étiquette du prix, genre nous on paye 39€ et pour eux c'est 19€. Sans solde, c'est juste leur prix à eux. Donc à Lisbonne, je sais pas si je voulais pas déjà raconter ça. Nous on était, parce que maintenant on a évolué, on se rapproche de la quarantaine. Nas et moi on a quasiment le même âge, mais elle est de novembre. Donc là pendant ces quelques mois, elle m'appelle la Jouza, elle profite parce que je suis plus âgée qu'elle d'un an pour l'instant. Et quand c'est à novembre, je lui dis « Ah ah, Shibenia, ça y est !» C'est le 14 novembre, c'est l'anniversaire. Et j'attends, là je suis prête, là je suis aux aguets. Bon. Et ben quand on était plus jeune, on allait à Lisbonne, pendant 2 ou 3 jours, on prenait un endroit pour se loger là-bas. Un Airbnb, un hôtel, un truc. Et pendant 3 jours, on faisait que ça, du shopping. Et avant d'aller là-bas, on avait déjà acheté des trucs qui nous attendaient dans les magasins, bien sûr. Parce que le prix de base, qui est le fameux prix que vous voyez sur les étiquettes au départ, soldé, et eux, quand ils soldent, nous, quand ils soldent au départ chez nous, ils enlèvent genre 10 euros. Eux, quand ils soldent, c'est le premier jour, c'est moins 60%. Premier jour. Il y a toutes les tailles, toutes les... Non, on a fait des dégâts matériels, bien sûr. Bien sûr. Bref, les souvenirs. Et donc, je poursuis. Avant de vous partager un énorme segment sportswear, avec évidemment, je l'ai dit, une anecdote, enfin une annonce plutôt. Et les manteaux, une petite veste mignonne, j'étais chez Fine en train d'azorner. Je suis tombée sur ça, j'ai dit pardon. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, j'adore. Ça, avec le t-shirt blanc en V, blanc, immaculé, et un jean boyfriend bleu. Et la patchouka. Le jean en bas, je le retrousse négligemment comme ça, pas très bien fait, tu sais. Et une sandale minimaliste rouge. Sur un vernis rouge, la pancheruca, la pancheruca. C'est vrai ou pas? Find. Je crois que ça a coûté 20€. Find. Quand je vous dis que... Quand je vous dis les pépites chez cette marque, c'est incroyable. Incroyable. Hein? Le design. Vous entendez mon téléphone qui fait du bruit? Je vais aller mettre un silencieux. Il est là-bas en train de charger, mais je l'entends chanter. Là. Je vous le mets là, c'est pareil, find les photos, mais please trust and believe, porter, c'est fracassant d'efficacité. Bien sûr. La chaqueta. Et donc, je poursuis. Bon, là, les filles et les garçons, j'entame un gros segment sport. Dans ce segment sport, une marque dont vous me savez très très grande consommatrice depuis toutes ces années. Je vous l'annonce là officiellement. Il y avait beaucoup de rumeurs et je n'arrivais pas à trouver une source vérifiable, fondée, sérieuse, avérée. Ça y est, c'est fait maintenant, j'ai trouvé. Nike, désormais, est banni de mes partages fashion, est banni de mes achats fashion, est banni de tout, ce qui est terrible parce que, vous le savez, je suis non seulement une grosse consommatrice de Nike, la quasi-totalité, pas la quasi-totalité, mais énormément de mes chaussures de sport avec lesquelles je fais mon sport, sont des Nikes. J'ai très peu, j'ai un peu de New Balance, un peu d'Adidas, j'ai du Puma, j'ai des choses. Mais vraiment, mes chaussures d'entraînement, vraiment, ce sont des Nikes. Premièrement, mais deuxièmement, et surtout,
Je suis une grosse collectionneuse de Air Jordan. Vous en avez vu un échantillon? J'ai une grosse collection d'Air Jordan. Mais là, il est avéré que Nike sous-traite, ce n'est pas Nike directement qui travaille avec eux, mais sous-traite avec des usines qui ont recours à l'esclavagisme des Ouïghours en Chine. Donc, je refuse de participer à ça. Donc, je boycotte Nike à compter de ce jour. Mais pour l'instant, j'ai énormément de produits à vous partager. Ils sont là depuis des semaines. C'est Monsieur Glucksmann que je suis beaucoup là. Donc, je ne me base pas sur son post Instagram. Hein. Je suis allée chercher. Il a renvoyé à des études. Je suis allée lire, etc. J'ai croisé des articles dans la presse américaine, etc. Et c'est avéré, c'est avéré. Donc, je renonce à compter de ce jour. Je renonce à Nike. Mais là, donc, ce sont mes derniers partages Nike. Donc, dans un premier temps, et c'est de la folie, préfère vous dire une chose. Donc, les filles, les garçons, à ce stade de la vidéo, un gros partage sportswear. Dans un premier temps, ce petit haut, donc je l'ai pas du tout, c'est pas Nike, mais je l'ai attrapé sur Amazon. Auric. Donc, Auric, c'est une marque, vous me savez, fan d'Auric. J'achète énormément de choses chez eux. Mon fameux parachute de pluie, là. Il s'appelle Parachute, c'est pas ma faute. Mais bon, là, je le porte beaucoup, il pleut. Il est plus disponible malheureusement, mais je surveille tout ce qu'ils font. Là, ils nous ont sorti ces hauts de Folie. Donc là, malheureusement, ils sont pas bien organisés là. Je l'ai trouvé tellement formidable que je l'ai acheté. J'ai attrapé d'abord celui-ci et ensuite j'ai attrapé ses frères. Je vous mets des photos là à l'écran. Et moi, je m'entraîne dans ça. Ah oui, FYI, j'ai résilié mon abonnement à la salle de sport. Mais là, je l'ai résilié là. Les fois précédentes, je l'avais mis en sommeil. Vous savez, c'est un prélèvement mensuel. Là, je l'avais mis en sommeil parce que c'était les circonstances, etc. Il nous était possible de le faire. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai résilié. Donc, je suis abonnée à cette salle depuis, j'ai envie de dire, 7 ans. On se connaît tous. Hein. Là, j'ai résilié l'abonnement. Donc, j'ai complètement même changé mon intérieur pour vraiment m'entraîner à la messe. Donc, je pense que c'est une vidéo qui va vous parvenir dans le courant du mois d'août. Mon matos sportif. Ce avec quoi je m'entraîne. Les choses, la base, mais le un peu plus technique, il y en aura vraiment pour tout le monde. Donc, et j'ai hâte. Moi, je suis excitée. Vous savez combien j'aime le sport. J'en ai besoin. C'est las drogas. What? I need my gym, bien sûr. Et c'est each day, every day. Jamais la même chose, mais bien sûr. Et ceci va avoir une incidence. Les plus fidèles d'entre vous vont le comprendre avec évidence. Il y a des tonnes de choses qui me plaisaient beaucoup moi dans l'univers du sportswear, mais soit que je n'achetais pas, soit que j'achetais vraiment un tout petit peu, parce que je les porte que ici, parce que pour des raisons de non-déballage médiatique. Vous savez que moi je ne suis pas dans le déballage médiatique. Je commence pas à montrer le chest, à montrer des bidous et les choses. Non. La seule chose que j'ai, c'est le legging. Mais je mets systématiquement un truc autour de la taille, etc. Là maintenant que je m'entraîne à la maison, c'est la libertad. Ben. Je peux faire mon sport nu si ça me chante. Bon. Je n'ai pas de vis-à-vis. Et je n'ai pas de tabou ni de vis-à-vis. Bon. Donc là, le top, je l'ai trouvé génial. Génial. Donc voici ce qu'il donne portée. Efficace et perspicace. Bien sûr, Auric. Et les filles, la qualité. Il est respirant, c'est du mesh. Mesh. What? Mesh sur les latéralités. Donc c'est hyper respirant. Moi, vous le savez, je l'ai dit, quand j'y vais, je tape dedans. Je suis pas là pour regarder mon téléphone. Je suis dedans. J'ai du méchant hip-hop. Et là, maintenant, c'est bien, je mets plus le casque. Je mets la musique, du coup, sur la devialée. Parce que je m'entraîne dans le salon, généralement. Et donc, respirant sur les côtés. Si j'arrive à trouver une photo de la respirance latérale, je vous la mets là à l'écran. Donc, j'ai attrapé ce modèle. C'est le noir et orange neon, quelque part. Et donc, son frère jumeau, cette couleur... Son frère jumeau dans le bleu marine, rose pâle. Il est efficace ou pas? Grande efficacité. Là, je vous le montre, c'est n'importe quoi. Mais je vous les mets à l'écran. Et le dernier, je suis tellement contente de les avoir attrapés, les filles. Je ne sais pas lequel est mon préféré. Le dernier, noir et violet. Là, c'est une présentation qui est complètement nulle. Excuse me. Mais je vous les mets à l'écran. Comme ça, vous les voyez bien comme il faut. Ils sont pas super. Et alors, hyper léger, hyper respirant, suffisamment long à la taille, je l'ai dit, c'est pas un problème. Mais même si je m'entraîne à la maison, je veux pas des trucs... Donc, ils sont super Auric. Très peu cher. Bien sûr. Et donc, j'y poursuis. Là, j'ai toute une salve de soutien-gorge de sport.
Donc, dans un premier temps, sur Amazon, donc il y a Auric, qui est l'une des marques Amazon, mais il y a également Corten, dont je vous ai parlé, dont je vous parle depuis des lustres. J'aime leur casquette parce qu'elle est simple. Il n'y a pas de marque. Il y a tout le monde zone avec une, et moi incluse. Une casquette New York Yankees. Mais les Yankees, déjà première chose, c'est une équipe de baseball. Donc moi, s'il y a un sport avec lequel j'ai rien à voir, c'est probablement le baseball. Et deuxièmement, une équipe new-yorkaise, non. Je n'ai pas de... Je suis plutôt West Coast. Je suis plutôt basket et je suis plutôt Lakers. Bon, bref. Donc, leur casquette, elle est complètement unie. Et elle est, la visière est assez longue, je la coque, je fais mon sport, je suis jeune. C'est une marque que j'adore. Ils ont des choses aussi dans le Birgindi. Vous vous souvenez, Corten? Le zip, j'achète beaucoup de choses chez eux parce que ce sont les affaires de sport, je l'ai dit, je les lave très souvent. Très souvent. Je lave systématiquement après mon entraînement. Et je m'entraîne quasiment tous les jours. Enfin, c'est pas quasiment, je m'entraîne tous les jours. Donc, non, c'est quasiment tous les jours. Mais pour revenir à l'amorton, j'ai besoin qu'ils me tiennent le... et ils tiennent le choc. Sur la couleur, sur les textiles, sur la tenue, ils tiennent. Ils sont de bonne qualité. Donc là, j'ai attrapé les soutifs. Je vous dire une chose. Il est beau. Je sais pas comment vous le dire, il est beau. Je vous le mets là à l'écran. Regardez le dos. Regardez l'arrière. Déjà, à l'avant, il y a un petit croisé. Moi, vous savez que j'ai le chest. Dit-elle, sont pas beaux. De manière très physique. Mais j'ai le chest, j'ai besoin de maintien. C'est pas maintenant pour être gênée dans mon exercice ou je... Non. Donc, ils offrent un bon maintien, mais ils sont esthétiquement craignants. Donc là, il fait chaud, je fais sauter le top, je m'entraîne en soutien, je suis bien. Et le dos est beau. Donc j'ai pris lui dans le noir. Et son frère jumeau, ben là, je l'ai gardé dans le sachet, j'allais dire le carton, pour vous montrer comment ils arrivent. Corten, c'est ça la marque. Et là, c'est une espèce de teinte gris top beige borders. La couleur. Il est... Je pense qu'ils comptent en LMS, non? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Donc je prends le L. Là, je prends le L. Parce que j'ai le chest. Il est pas trop beau. Et les filles sans rire. Crénon. Je vous le mets là à l'écran. Ça, c'est crénon, ça. Mention. Mention. Et une bonne matière, un bon maintien. Je vous le mets là. Toutes les coutures. Crénom. Donc ça, c'est ceux que j'ai attrapés sur Amazon. Ensuite, toujours dans l'univers des soutiens, mais plus du tout chez Amazon, mais chez Victoria's Secret. Donc Victoria's Secret, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais acheté un soutien qui était vraiment super, dont je me sers encore. Il a vraiment, 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 vraiment vieilli. Et en plus, j'avais dans le noir, j'avais attrapé son frère jumeau dans le beige. Et je pense que j'ai donné le beige. J'arrive pas à le retrouver nulle part, je suis trop ordonnée. Il aurait dû réapparaître, il est pas réapparu. Je m'en veux tellement parce qu'ils en ont sorti d'autres, dont j'ai acheté quelques spécimens. Là, c'était méchamment soldé chez Victoria's Secret. Hein. Mais ils sont bien, mais ils sont pas aussi bons. Leur ancien modèle était meilleur. Mais pour autant, j'ai acheté des tonnes de choses chez Victoria's Secret pour ce qui est des soutiens de sport. Il y a que ça que j'achète chez eux. Les sous-vêtements, je suis très contente avec Iris et les London, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est parce qu'ils faisaient des shows à 1 milliard de dollars, mais la lingerie elle-même ne m'a jamais... Donc, mais sur ce qui est du sport, j'aime bien ce qu'ils font. Des sous-vêtements de sport, j'aime bien. Donc, j'ai attrapé ça. Ça, c'est plus pour tout ce qui va être le yoga, pilates. Hein, donc, minimum support. Donc, c'est ce que je dis, c'est pour le yoga, les pilates. Four way stretch follows you every move, bien sûr. Donc lui, très mignon, dans le noir avec le petit V à l'arrière. Ensuite, ce modèle, donc je le disais, fermeture et ouverture frontale. Et bien sûr. Ils sont super, mais l'original, il était 100 fois mieux. Donc voici. Ensuite, sur le même principe. Mais un peu moins long, celui-là, il descend vraiment vers le bidou. Celui-ci, il est classique, classique, taille de soutien-gorge classique, crénant. Et eux, le maintien, les filles, c'est... On sent rien. On est
blindée, vraiment. On dirait une folle, bon. Et le dernier, mono-épaulé. J'ai attrapé un soutien-gorge de sport, uni-épaulé jeté. Pourquoi pas, why not? Bien sûr. Pourquoi pas? Il peut se trouver des circonstances où on a besoin de rester coquette et attrayante, même dans l'effort. Bien sûr. Pourquoi pas, on sait jamais. Il était, je crois, à 14€, 12 ou 13€. Donc, j'y poursuis, et c'est là que j'ai envie. Ah, ben c'est marqué pink. Bon, ben ça, c'est un des trucs de Victoria's Secret. Donc, avant d'en arriver à Nike, parce que là, j'ai attrapé des trucs, ce sont les derniers trucs, mais alors quel truc? Toujours chez Amazon et Auric, le short. Parce que je l'ai dit, maintenant que je m'entraîne ici, j'ai plus nécessairement, et il fait chaud et tout, j'ai plus nécessairement besoin du legging. J'aime un short. Et je l'ai trouvé, celui-là, je l'ai trouvé vraiment génial. Parce que c'est le short qui est doublé. Tu sais le short qui est doublé là? Et alors la matière, les filles, je suis très sérieuse. Auric, c'est une marque, je comprends même pas les prix. Ça pourrait coûter le double que je pense que je les achèterais quand même. Ils sont d'une technicité, les vêtements, vous êtes nombreuses à avoir attrapé des produits chez Auric. Et moi j'achète Under Armour et tout ça, Nike. Auric, ils sont peut-être même au-dessus. J'adore. Et c'est jamais vulgaire et c'est jamais... Donc là voilà, j'ai pris le L, la taille élastique, je vous le mets là à l'écran, il est doublé. Tu sais, c'est le short qui ne laisse pas entrevoir l'intimité. Enfin. Parce que je le porte à la maison, mais ça je peux le porter sur un jogging, une nuit, une chaude soirée caniculaire orageuse. Il va bientôt pleuvoir, mais pas encore, donc là c'est vraiment caniculaire. Et c'est là que j'aime bien aller faire un petit jogging. En espérant qu'il pleuve à la terminaison de mon parcours. Donc, j'y poursuis. Donc là, je l'ai dit, j'attaque avec Nike. J'ai attrapé la totalité de ces articles sur la redoute. Il y avait des méchants soldes. Il y avait des soldes d'une autre galaxie. Donc, généralement, chez Nike, je n'achète pas les textiles. J'achète les sneakers, les chaussures. Parce que les textiles, franchement, c'est trop cher. Le petit débardeur de sport à 90€, j'ai jamais compris le... Mais là, c'était les soldes dont j'en ai profité. Et alors, je suis tellement contente de ce haut-là. Regardez l'arrière. Creux. Néant. Hyper respirant. Il ressemble un petit peu au top de chez Auric de tout à l'heure, là, sauf que là, c'est Nike. Et je l'ai trouvé super mignon, donc sur la redoute. Ensuite, je me suis attrapée une hoodie. Mais une hoodie, c'est pas un zip. C'est vraiment une hoodie sweet, tu sais, Nike. Ben, j'ai adoré. La capuche, elle est particulière. Elle est vraiment enveloppante. Je vous mets les photos si j'arrive à les trouver là à l'écran. Les filles, j'ai la bouffa ou pas? Oui. Je l'ai trouvé vraiment super. Noir, fin, mignon. Tu sors tu reviens de ton entraînement ou quoi, que sais-je. Parce que j'ai la chance, je voulais partager il n'y a pas très très longtemps un Insta Story. Je vous remets mon Instagram juste ici. J'ai la chance d'avoir un parcours, un super bon parcours de fitness à l'extérieur, là où j'habite dans ma ville. Il y a les câbles TRX, il y a des poids. Il y a des parcours, il y a le truc pour les abdos, il y a des bancs, il y a des choses. Donc j'aime y aller, j'adore y aller, mais j'y vais très tôt le matin. Généralement avant 7h, entre 5 et 7h. Je vous l'ai partagé une fois. Vous m'avez dit, oh là là, Sabrina, t'es matinale. Oui, je vous l'ai dit, je me lève à 5h du mat. Et je me régale. Parce que si j'y vais plus tard dans la journée, il n'y a que des mecs, et bon. What? Vous avez compris. Donc, quand je reviens de mon entraînement ou de quelque chose, je suis en nage, etc., il faut que je m'habille. Donc ça, c'est parfait. Donc, j'y poursuis. Et alors là, le craquage total, vous êtes extrêmement nombreuses à avoir craqué sur mon top, mon espèce de veste que j'ai attrapé chez Bouchara, que je vous ai partagé dans ma dernière vidéo, la vidéo du award. Eh ben oui, tu sais pas pourquoi, Nike nous l'ont sorti exactement le même. Donc, quitte à divorcer avec Nike, autant divorcer sur lui. Donc, c'est le médium, mais c'est le médium chez l'homme. Et je le voulais vraiment comme ça. Il est absolument magnifique. Absolument, absolument magnifique. Donc, c'est standard fit, c'est pas fit. C'est coupe classique, coupe normale, taille normale, pas moulant.
Et c'est ce que je voulais. Il est absolument magnifique sur la Redoute. Je vous le mets là à l'écran. Une grande efficacité. Il était méchamment soldé. Donc je suis très contente. Là, ils disent pas le prix au départ, là. Non. Mais alors, l'efficacité totale. Et ça revient beaucoup, hein, les bombers, les vestes un petit peu high school, les choses. College, que sais-je. Bon. Voici, et enfin, toujours chez Nike. Et pour terminer, j'en ai marre de zoner avec mon... Bon, là, maintenant, je vais plus à la salle, mais je continue d'aller à la boxe. Donc, j'en ai marre de mon sac à dos. J'avais un sac à dos, là. J'en ai marre du sac à dos. Je voulais vraiment un sac. Donc, j'ai attrapé ce sac chez Nike. Donc, il existe dans différentes tailles. Il me semble que celui-ci, c'est le small. Qu'est-ce qu'ils disent? Je n'ai pas mes lunettes. 41 litres. Il fait 41 litres. C'est le small ou pas? Il me semble que c'est le small. Ensuite, il y a le médium, le large, etc. Moi, celui-ci, je le trouve absolument parfait. Il est ni féminin ni masculin. Il est efficace et perspicace. Super. Je vous le mets là à l'écran. Et pareil, j'ai attrapé tout ça chez la Redoute. Crénant. Et enfin, les filles et les garçons, pour en terminer avec ce long segment sportswear, qui, moi, fait partie intégrante de ma vie, le sport. C'est... Donc, il est complètement logique que je vous partage pas de pitch dans cette vidéo, mais beaucoup de sport. Donc, le dernier article que j'ai acheté, c'est pas exactement sport, mais ça peut. Et quand vous allez voir, vous allez dire, mais non, c'est pas possible, c'est un tout petit peu Chewbacca pilou. Sur Amazon et chez Auric, donc c'est pour ça que c'est sportswear, c'est la marque de sport, mais on peut le porter dans différentes circonstances, ce incluant devant la télé sur le canapé by night, par une froide soirée de décembre. Je l'ai trouvé super. Tu sais pas pourquoi je vais l'enfiler. Les filles, il faudrait que vous puissiez, je vous l'ai dit souvent, mais là, ça vaut... plus que n'importe quelle autre fois, il faudrait que vous puissiez le toucher. Il est doudou, mais doudou, câlin. Attendez, ne quittez pas. C'est ça qui est bien dans le fait de ne pas être coiffée, je m'en fiche. Regarde, est-ce qu'on n'est pas au max? Eh, moi je suis au max, là. Je suis... En plus, au moment où je l'essaye, là c'est caniculaire dans le studio, mais... Eh. Est-ce qu'on n'est pas au max, là? Moi, je suis au max. Moi, je suis là, personnellement, je suis au max. Regarde les poches. Tiens, regarde. Cruel, néant. Je le trouve super. Donc, il y a le petit détail, là, tu sais, de le textile. Je vous le mets de face et de dos, là, sur l'écran. Le petit détail qui va bien des choses. Il est super, aurique. Et tu sais pas pourquoi, il y avait d'autres couleurs. Je les ai tous attrapés. Et parmi les couleurs, tu sais ce qu'il y avait? Ne quittez pas parce que je suis trop chaud. Ah, Lord. Le noir. Évidemment, le noir. Et là, ça me permet de vous le montrer peut-être plus aisément. À l'arrière, il y a un petit rappel, le petit détail. Je sais pas si ça ressort sur le noir. Les filles, je vous assure. Ça, je vais le porter... Mais... Si j'allais toujours à la salle, c'est ce que je porterais en rentrant du sport. Parce que je l'ai dit, je ne me douchais jamais là-bas. Donc je me change, mais je suis quand même un peu humide. Je ne suis pas dans les mêmes vêtements que ceux dans lesquels j'ai intensément transpiré. Mais je ne suis pas sèche. Je suis pas... Ça, c'est parfait pour revenir de la salle. Maintenant, je ne vais plus à la salle. Je vais les porter, même ici à la maison. Tu sais, en hiver, devant mon ordi, avec une tasse de thé au lait bien chaude. Et les choses... Donc, il y avait le noir, mais il y avait également... Je vous entends le dire. Et c'est cohérent avec notre look de ce jour. Le burgundy. Les filles avaient le burgundy. Donc, à chaque fois, j'ai attrapé le médium. Donc, vous voyez là, Auric, j'ai laissé dans l'emballage pour que vous voyez comment il arrive. Je crois que ça coûtait une trentaine d'euros. Et les filles, je vous assure, c'est de la qualité, qualité de ouf. Donc, le bien Guillaume. C'était impossible de choisir. Il est beau. Ah, il est beau, il est doudou. J'ai l'impression d'avoir une peluche qui me donne un calinou. Je vous assure, c'est un doudou qu'on n'a jamais vu. Moi-même, je n'ai jamais vu ce pilou doudou. Est-ce qu'ils appellent ça Borg, Borg? Là, c'est un Borg supersonique qu'on n'a jamais vu. Je vous jure. Super.
Donc c'est par eux que je conclue cette longue, ce long segment sportswear. Mais même si je l'ai dit, voilà, je ne vais pas nécessairement les porter dans le... Je vais les porter plus en lounge qu'en sport. Bien sûr. Et donc j'y poursuis avant d'en arriver à une longue série de souliers et accessoires multiples et variés. Le petit segment, les manteaux. Bien sûr. Donc dans les manteaux, pas mal de doudounes. Ce que je vais faire les filles et les garçons, c'est que je vais faire un petit peu de propre autour de moi parce qu'ils sont sur les cintres, ils sont longs, etc. Et je fais un break. Donc à tout de suite. Et je suis de retour les filles et les garçons. On reprend pour la dernière ligne droite de cette July Fashion qui regorge de pépites et qui vous trouve en ce premier jour du mois d'auguste. Là j'ai fait le refill de la gazouzette, hein, bien sûr. Et là je préfère vous dire une chose. Dehors il pleut, les pluies torrentielles. Donc oui, les aspayeurs sont revenus. Ça fait quelques semaines là qu'on pouvait plus les attraper. Framboise. Et donc là, c'est caniculaire, c'est j'adore. Moi, il y a deux choses qui ont un effet, parce que je suis un animal, qui va bah, la lune. Quand c'est la pleine lune, je le sens. Je vérifie, je me dis, je le savais. Je suis comme une folle, là, bon. La lune et les pluies, les gros orages là. Ça me perturbe. Bon. Dernière ligne droite, je le disais, les filles et les garçons, consacrée d'une part au manteau au pluriel, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs, hein, dont, enfin, ils sont tous croyants, de la doudoune, mais de la doudoune, vous savez que je ne... Il y a les doudounes, j'allais dire plutôt sportswear, les parkas, les doudounes, pour quand je vais faire du trekking, du vélo, du sport, ou des marches sportives, etc. Mais j'aime une doudoune, pour la société civile, j'aime une doudoune habillée. Ce sont deux considérations qui paraissent contradictoires, parce qu'immédiatement, c'est le bibendum et le machin. Mais il existe des exceptions, ish. Donc là, j'ai attrapé de jolis spécimens chez Mango. D'une part, je vous avais déjà partagé cette pépite-là, chez Arquette. J'aime cette forme, je la trouve très... déjà facile à porter. Facile à porter ensemble avec un gros pull. Ça, c'est vraiment pour les gros froids de « je vais visiter la cathédrale de Strasbourg ». Il y a une circonstance particulière. Chez eux, là-bas, il neige, c'est grave. Bon. Il gèle, il fait moins ce... Bon. J'aime une doudoune cocon, tu sais. Donc, c'est un petit peu ce dont il est question là tout de suite. Mais également du manteau très habillé et très crânant, un tout petit esprit chanelesque. Que j'ai attrapé chez Mango à le discount, je pense que c'était 60%, c'était très grave. Et ensuite, de l'accessoire, beaucoup de chaussures, du chapeau et du luxe de chez Maison Dior. Donc, je commence tout de suite par ce qui est immédiatement devant moi, c'est-à-dire ce modèle-là, chez Mango. Donc là, c'est pareil, c'est Committed. Donc là, c'est du polyester recyclé. Donc, j'ai adoré cette doudoune. Donc elle est imperméable, water repellent. Mais j'ai adoré évidemment la coupe, je vous la mets là à l'écran. La coupe, donc tu sais, les, hein, la couleur, la longueur, je la trouve vraiment sympa. Mais j'adore le fait que cette capuche slash écharpe soit déjà soit là, mais surtout qu'elle soit amovible. Je peux la retirer. Et je la trouve vraiment super. Elle était super bien soldée chez Mango. Elle était dans mon panier depuis longtemps. Et donc j'ai réussi à l'attraper et j'ai réussi à l'attraper dans le médium. Donc je vous mets toutes les références en barre d'infos, je la trouve vraiment mignonne. Sur une tenue dans des accents de camel, moutarde, marron, top. Tu sais la petite tenue avec les petits gants, tu sais, la poche ruka. Je l'ai trouvée vraiment mignonne. Donc oui, c'est peut-être pas logique ou sexy ou appealing. Des doudounes en plein milieu de l'été, en ce commencement du mois d'août. Mais les soldes, c'est les soldes, monsieur madame. Quand arrivera le froid, je serai parée. Quand vous irez les acheter à 350 €. Bon. Et j'y suis toujours chez Mango. Donc là, c'est ce que je vous disais. Elle ressemble, c'est un petit peu, vraiment, elle ressemble à celle que j'ai attrapée chez Arquette. Celle que j'ai attrapée chez Arquette, elle coûtait presque 200 €. Et je suis contente de l'avoir attrapée quand je l'ai attrapée parce qu'elle n'a pas du tout été soldée. Donc, et maintenant il n'y a plus du tout ma taille, enfin, bref. Mais voici le modèle dont s'agit. Donc je l'ai attrapé dans le S parce que les commentaires disaient qu'elle taillait un peu grande. Donc j'ai attrapé le médium qui est ma taille classique, que voici.
et le S, je les ai pas encore essayés, donc il faut que je les essaye et je renverrai celle de deux qui est trop grande. Anorak Croco, ils appellent ça. Donc je vous la mets là à l'écran, elle est magnifique. Dans le kaki, j'adore. Et là, c'est pareil, non seulement ce sont des coupes que je trouve citadines, élégantes, encore habillées, même si voilà, on a besoin de ne pas mourir de froid. Moi, le froid, c'est mon ennemi, je vous l'ai déjà dit. Mais là, je suis quand même un petit peu habillée avec une botte, un quelque chose de camel, un petit cachemire, la peinture. What? Quand je monte mes vidéos, je dis, mais Sabrina, comment tu parles? L'empanchuluk. Elle est magnifique. Et c'est pareil, elle était vraiment, vraiment bien soldée. Donc je me suis autorisée à acheter les deux. Je pense que c'est le médium que je vais renvoyer. Parce que je ne les ai pas encore passés. Je vais les essayer avec un pull un peu plus épais que ce que je porte là. Mais je pense vraiment qu'ils avaient raison. Elle taille grange. Je pense vraiment que c'est le small qu'il me faut. J'aime bien, vous avez vu les boutons sur la latéralité en bas, on peut doser l'ouverture, j'adore. Donc voici pour ces deux doudounes de chez Mango. Et la troisième doudoune, c'est une doudoune courte, veste courte. Je la veux depuis tellement longtemps. Je la vois beaucoup sur la presse. Produit distribué sur Amazon et de chez Find. Mais c'est un produit qu'on a vu, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, et ça fait longtemps, j'ai jamais réussi à attraper ma taille, les filles et les garçons, je suis tellement heureuse après toutes ces années de l'avoir attrapée, je l'adore. Je la trouve tellement belle. Donc là où généralement je ne vais pas vers ces matières synthétiques, elle, please trust and believe, bien habillée, bien accessoirisée avec un méchant chapeau, des gants de conduite, tu sais les gants courts là, en cuir. Le peinture look. Oh le look. Ou un bonnet sur une lèvre birgiondi. Je la trouve super. J'ai la patcho look. Elle est pas super. Donc c'est le médium. J'adore. Même l'aspect vieilli des petits boutons là. C'est des petits boutons à pression. Je vous la mets là à l'écran. Mais c'est pareil, sur les photos ça ne rend pas le... Moi je la vois vraiment habillée. Je la vois habillée en... Très féminine étonnamment. Mais j'adore. Je la trouve super. Je la trouve vraiment, vraiment super. 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 Ça fait des... Je peux le dire là, des années que je le cours après. Oh, fais voir la patchouk. You're not the only one I know. I've been trying to get it on my own. I've been digging way down low. Look like I got my hair all alone. I know that you. J'adore la couleur, j'adore la matière, j'adore la longueur, le fait qu'elle soit à la taille, je la trouve super. Donc j'espère de tout cœur qu'elle sera disponible quand je vous attacherai les liens de cet article. Mais si c'est pas le cas, faut la surveiller. Les amis, je vous jure, ça fait des années, je ne mens pas, des années que je la guette. À un moment donné, elle avait complètement disparu, je me suis dit c'est game over, j'aurais dû la prendre plus grande et la faire revenir. Et puis finalement, elle est revenue. Elle m'a été, je crois, suggérée. Je sais plus. Bref, elle est vraiment super, je suis contente de la voir. Oh, je suis trop contente de la voir. Ah, je vais faire des looks, vous allez me voir la porter. Je vais refaire bientôt des shootings, des lookbooks. Il y a besoin pour quelque chose qui arrive bientôt. Suspense. Et donc, she will sweet. Donc ça, c'était pour les doudounes. Maintenant, des manteaux. Bon, c'est vrai que j'ai... Ah, j'avais complètement oublié de vous partager les jeans. J'ai toute une rafale de jeans, là. Ben, je vous les partage tout de suite. Et après, je terminerai avec les deux manteaux. Les jeans de chez Amazon. Donc, en l'espèce, Meraki. Donc, je vous mens pas. Je l'avais attrapé dans le bleu. J'en étais tellement heureuse. Je l'ai attrapé dans toutes les couleurs. Donc là, le blanc. Et donc, il existe dans la taille classique. Mais il existe également dans la taille haute. Donc, j'ai acheté les deux modèles. Donc, le blanc. Je vous les passe très rapidement. Je vous les mets à l'écran parce que c'est un rappel. De la June Fashion que vous n'avez pas regardé. Donc c'est du coton bio, organique, etc. Donc le blanc, je les passe très rapidement, j'ai même pas fini de les déballer. Le bleu brut Meraki. Bah Meraki, quand je vous dis, sont capables du tout. Le bleu brut qui est magnifique, ça, avec une bottine camel. Vous vous souvenez, j'avais attrapé des bottines, pas camel, rouille, couleur rouille, un petit peu comme la doudoune là.
Bah déjà, là, les deux ensemble, bien sûr. Chez... c'était chez... comment il s'appelle ce géant anglais, là, qui a été avalé par... là, il n'y a pas longtemps. Et à Londres, la boutique d'Oxford Street ferme pour devenir un Ikea. C'est quoi cette marque ? Ah là, ça m'échappe complètement. C'est un monstre. La fille de ce monsieur avait épousé, lui là, le prisonnier Boros avec les yeux bleus là. C'est quoi cette marque ? Là, je fais un blanc. Un blank. Je fais un white là. Topshop, oh là là, Topshop, mazert. Topshop. Tu vois, vous vous souvenez ? Voilà, bah, ce type de bleu avec ce type de boutine. Donc le bleu brut, le noir. Bah le noir. Je vous les mets à l'écran. Coton organique, les amis. Coton bio, c'est du beau coton. Et il y a du stretch, mais un peu. Ça reste du jean. Moi, les jeans qui en fait sont du jegging, qui sont comme des leggings, mais un jean, je n'aime pas ça. J'ai besoin que mon jean soit du jean. Et donc le noir et le bleu ciel. Mais le bleu ciel, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo précédente. Je vous le remets à l'écran. Voilà, je les ai rachetés. Ça, et à ma taille, c'est vraiment pour moi, c'est pas pour les offrir. Donc ça vous démontre combien je les aime d'amour. Peut-être que je vous les montrerai sur le miroir là, pour vous. Ils sont flatteurs. Et moi, vous le savez, les plus fidèles d'entre vous le savent, mon body n'aime pas les jeans. Il y a très peu de jeans qui me vont, que je porte. D'accord, ceux d'H&M, les boyfriend et mom de chez H&M. Et les trouvailles sur Amazon. Un peu de boss, etc. Et donc, je suis bien suite. Bon, ben, le manteau. Ben, le manteau, c'est vrai que c'est le même dans deux coloris différents. Rien d'étonnant me connaissant. Chez Mango, et alors les filles, il est là, c'est pareil. Sur le centre, il ne paye pas de mine. Le voici. Oh, la beauté. Aïe, 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 que belleza. Je vous le mets là à l'écran. Bien sûr. Bien sûr. Une grande efficacité à taille. Mango. Donc tout, la matière, la couleur, la longueur, le boutonnage, les boutons eux-mêmes, rappel sur les manches. Ça, c'est méchamment habillé, ça. Le look dark, rock'n'roll. Un legging en cuir. Noir. C'était quoi ça? Une botte, la botte de tout à l'heure, la Hugo Boss avec les bouts métalliques. D'accord? Un smoky noir foncé. Le look Chanel avec le col un peu remonté comme ça. Une pas de casquette, les cheveux comme ça. Le look! Une lèvre nude mais glossée. Bien sûr, vous me voyez toujours ou pas là? Moi, je vois le look. Tu sais, très Patti Smith comme ça. J'adore. Ben, tout est recyclé chez eux, apparently. Donc, bien sûr. Et donc, elle m'a tellement plu. Elle m'a tellement... Je dis elle parce que c'est comme une veste, en fait. C'est comme une gabardine. Je l'ai attrapée dans une autre teinte. Je vous le donne en mille, les filles. Là, elle est vraiment très efficace. Je vous assure que dans la vraie vie, je ne sais pas si... Et est-ce que vous avez vu là, elle en vrai et elle en photo, je ne sais pas si ça traduit, mais elle est d'une grande efficacité. On dirait vraiment une pièce... hyper cher de créateur que sais-je, vraiment. Donc elle m'a tellement plu que j'ai réussi à l'attraper à ladies and gentlemen dans le noir. Bah, la beauté totale, là, c'est d'une grande gravité. Et la coupe, elle est très légèrement renforcée au niveau des épaules, mais c'est pas maison Balmain les trucs, là, c'est vraiment un renfort, elle tombe bien sur les épaules. C'est comment ça s'appelle ça, du bouclage. J'adore. C'est, dans le noir, on dirait il y a vraiment un esprit maison Chanel. Sans rire. Faut l'avoir en vrai. Non. Donc je vous la mets là encore à l'écran. Telle que présentée par Mango. Mais là, c'est la gravier taille, bien sûr. Bien sûr. Il y a les boutons au cas où que sais-je. Donc c'est le médium. Je les ai passés pour porter. Please trust and believe. Elles sont d'une méchante efficacité. Si j'arrive encore à vous les attraper, je vous les mets en barre d'infos. Si j'arrive pas à les attraper chez Mango, vous le savez, ma technique du tigre par rapport à Mango, ça valait pour elle, la sublime robe bleue, là. Quand j'arrive pas à les attraper sur Mango, je les attrape, sur la Redoute. Mais c'est du Mango. Étonnamment, pour une raison que je ne saurais, ils ont des stocks. Bon. Non.
Donc voici pour ces quelques manteaux, les filles et les garçons, en plein cœur de cet été 2021. Donc vous savez ce que je vais porter l'hiver prochain. Et je bien suis. Très rapidement, les filles et les garçons, la dernière ligne droite de la vidéo. Les accessoires, donc beaucoup de chaussures. Dans un premier temps, ben, je le disais, c'est une belle manière de m'en arrêter là avec Nike. Les Air Jordan 1 Low, les basses, qui sont absolument magnifiques. Vous le savez, en été, j'aime une tennis blanche. Ben là, ce sont des Air Jordan, que j'ai en un certain nombre d'exemplaires. Mais là, non seulement ce sont les blanches, mais ce sont les basses, et ça j'aime. Avec une jupe. Et je le peux tout. Et donc, chimie on suit. Toujours chez Mango. Ben, j'aime un petit mocassin, vous m'avez vu zoner récemment avec les jolies petites merveilles là, de chez Gucci. Ben, là, j'ai attrapé une merveille de chez Mango. Elle me donne un esprit un peu Louis XIV. Monsieur XIV, Louis de son prénom. Et elles sont, comme vous pouvez le constater, Burgundy. Elles sont trop belles, donc généralement j'aime pas trop le... Mais là ça passe, ça passe. Sur un pantalon chino 7/8, même avec un bas, et j'ai la... je mets ce petit, le petit look sage bibliothécaire, la quarantaine de la Gambie, Elles sont pas trop belles, les filles elles sont trop belles, de ouf. Et c'est du cuir, je les ai attrapées soldées, mais méchamment soldées. Là, je te dis, j'ai fait les soldes. Je fais des bêtises. Ben, je vous enlève ça parce que c'est vrai que ça gâche le... mon petit effet là, de doubler le bonheur. Et c'est pareil, elles sont... il est rarissime que je ne porte pas des chaussures à bout pointu. Mais là, elles s'y prêtent, c'est vraiment le look. Je vois ça même avec un blazer, un truc... même la gabardine que je viens de vous présenter là, le petit look. Tu sais, en mi-saison, hein, c'est la terminaison de l'été, mais c'est pas encore exactement l'automne. On sait pas trop, on est là, perplexe. Quoi, non. Et dans cette couleur. Et donc, chibi, on suit. Ah oui, ben voilà. Donc, je le disais, j'ai résilié la salle, ma salle, mais je continue d'aller à la boxe. Moi, je boxe, je vais à la boxe. Donc j'avais besoin de changer mes chaussures de boxe qui étaient des Title blanches. Elles sont dans un état maintenant, je les ai faites reprendre plusieurs fois, je les ai depuis que j'ai 20 ans. J'étais dans la vingtaine pour la corde à sauter et tout. J'ai attrapé un modèle chez Adidas, elles étaient méchamment soldées. Donc, et elles sont méchamment magnifiques et extrêmement confortables. Parce que la boxe c'est presque du sautillement permanent comme ça. Donc il faut être presque en chaussettes, elles sont d'un grand grand confort. Ce sont des chaussures qui sont conçues pour la boxe. Box Hog 2. Et donc je vous double le volume. Elles étaient soldées mais j'étais trop contente. Elles existent dans le rouge, elles existent, moi j'aime bien ça. Vous savez quand, pour le sport généralement je suis en noir. Voici pour mes chaussures de boxe. Et j'y bien suis. Encore deux paires de sneakers, mais là c'est plutôt snazzy. Scotch and Soda. J'adore une sneaker, là c'est vraiment une sneaker de ville pour porter habillée avec un jean boyfriend, un petit pull en V, le blazer, la petite casquette ou le petit chapeau pour aller zoner, faire du tourisme quelque part dans un autre pays, d'accord. Vous voyez un peu le... Bon, j'adore le packaging de Scotch and Soda, c'est une marque que j'aime beaucoup, même chez l'homme ils font des choses extraordinaires. Et là, ce sont vraiment les coloris qui m'ont attrapé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les coloris. Je vous la mets là à l'écran. Elle est trop belle. Et bien, vous savez pas pourquoi. Je les ai chopées sur Amazon. À un prix, j'ai dit, je reviens pas. Maison Scotch, s'il est indiqué. Il se revendique de maison. Tous les petits détails et tout. Elles sont pas trop mimi. Trop mimi. J'aime une paire un peu différente que personne, enfin personne n'a, mais que peu de... Et les coloris, j'aime. J'ai trop aimé. Vraiment, avec le petit look que je viens de décrire. Un t-shirt en V très V, même ce petit cardigan, vous allez le voir, je vous les ai déjà présentés, je les ai essayés dans toutes les couleurs. Sûr. Mais ils nous ont pas sorti, j'ai pas réussi, non, je mens, j'ai pas réussi à attraper l'avoine. Je crois qu'il n'existe pas dans l'avoine. Ah, il y a quelque chose.
Mais voilà, le petit cardigan, un blazer, le jean boyfriend, la pantalon. Elles sont trop belles, elles sont belles de ouf. Crème. Non, ça arrive, elles sont magnifiques, c'est grave, bien sûr. Et donc, j'y poursuis encore une sneaker, et là, what? Et là, après Scotch and Soda, une marque à laquelle, vous le savez, je suis fidèle, j'ai adoré le modèle. J'ai adoré le modèle. Évidemment, l'un de mes, je l'ai dit, fournisseurs habituels, Boss, B-O-S-S. Une sneaker, je ne l'ai jamais vue portée par personne, ni homme, ni femme, ni dans le passé, ni dans le futur. Je ne l'ai jamais vue. Elle est magnifique. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment le look, comme quand ils ont fait les ugly shoes, là. C'est comme un... Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment une chaussure de marche. Parce que moi, là, je l'ai dit, je vais multiplier les séjours dans la France. Je vais multiplier les petits week-ends, les petites... les escapades, les choses. Donc, je marche. Je voulais des tennis, c'est comme pour la Scotch and Soda, là. Des tennis, mais qui soient quand même un petit peu habillés. Et généralement, moi, vous le savez, je les porte pieds nus. Et donc, chez Boss, j'ai attrapé ce modèle. Je les trouve trop belles. Trop mimi. Il y a même un petit quelque chose d'argenté vers lequel je ne vais pas généralement. Mais pour habiller un patch look, tu sais, de marche et tout, j'adore le renfort. Je les trouve vraiment super. Je les trouve super. J'ai jamais vu personne de les porter. Bon, c'est vrai que c'est le burgundy. Mais je les trouve vraiment mimi. Je vous les mets à l'écran. Je les ai trouvés vraiment croyants. Boss. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est pour l'humidité. Même le truc d'humidité chez eux, il est beau. Bon. Elles sont pas trop belles? J'ai bien aimé. Je les trouve vraiment sympas. J'ai rien qui leur ressemble. C'est innovant et différent. Comme les Scotch and Soda. Donc, voici pour la dernière paire de sneakers, les filles et les garçons. Et j'y bien suis. Je le disais, bon, là, je vous le traite très rapidement parce que j'ai du slip. Hein, un tout petit peu du slip. C'est pas Burgundy, c'est Prune. Iris et Lily London. Je vous les partage sans pardon. Et vous savez pas pourquoi, en parlant de slip, lorsque je vous ai partagé cette vidéo sur la féminité, que vous êtes nombreuses à avoir regardé pour mon plus grand bonheur et à m'avoir remercié, vous l'avez repartagé et tout, on s'est beaucoup interrogé, vous m'avez beaucoup interrogé sur les culottes menstruelles. Je vous disais, je n'ai pas trouvé, je sais pas, vous recommander une marque, j'en ai essayé plein, mais il n'y en a pas une qui m'a époustouflée. Là, je suis en cours d'époustouflance. Donc, je vous ai fait cette promesse de vous le partager dès lors que... Là, je suis en plein test. Et vous le savez, je fais vraiment des tests de la vraie vie. En temps réel. Bon. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. Je vous fais une promesse de venir ici en IGTV. Et de vous les partager. De vous les partager. Sans tabou, parce que les choses de la vraie vie. Je vous renvoie vraiment à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Pour ce qui est de la protection périodique, etc. Donc là, voilà, c'est la culotte qui m'a fait penser. C'est cette culotte qui m'a fait penser à l'autre culotte. Elles sont cruelles. Et je poursuis les filles et les garçons, je le disais, avec la dernière ligne droite des accessories. Donc un qui va probablement vous concerner. C'est pas probablement, c'est pas sûrement. Dans un premier temps, cette ceinture. Je vous ai fait un petit suspense en vous disant, seuls les plus fidèles d'entre vous vont comprendre. C'est une ceinture que j'ai faite faire par mon cordonnier qui est un... Freaking genius. C'est un artisan, il est maître bottier, etc. C'est mon rêve un jour de lui faire faire une paire de chaussures sur mesure pour moi. Je vais vraiment le faire. J'ai même l'idée et tout de ce que je veux, etc. Je veux une chaussure, je vous le dis pas, mais c'est du plat. Mais j'ai hâte. Mais c'est cher. Mais c'est sur mesure et puis c'est... Et lui, ça le fait travailler et tout, c'est cool. Ceci, les filles et les garçons, vous l'aurez reconnu. C'est la ceinture des Forever Dress chez Karen Millians. Le problème, quel est-il, vous le savez, j'ai cette chance extraordinaire de l'avoir, cette robe, dans toutes les couleurs, tous les coloris qui existent. Et quel que soit le coloris dans lequel elle est déclinée, le noir, l'écru, le camel, le burgundy, que sais-je, la ceinture qui vient avec, c'est systématiquement la même, la noire. Donc non seulement elle n'est pas en cuir, ce que je trouve un petit peu dommage, considérant le prix de... Il me semble que c'est pas du cuir, considérant le prix, mais c'est surtout que... Elle a l'air d'être du cuir, donc ça passe encore. Peut-être que c'est du cuir, je ne sais pas. Peut-être que je vous dis des bêtises, je ne sais pas.
Mais en tous les cas, quand elle arrive dans les crues, il n'y a plus de batterie. Quand elle arrive dans les crues et dans le Burgundy et dans le Camel et dans le... La ceinture, elle est noire, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'était le test. Maintenant que je suis absolument ravie du résultat, parce qu'elle est absolument, absolument identique. Il a même récupéré le petit boui-boui, là, métallique, de la ceinture noire. Ça, c'est ma Forever Dress Camel, la beige, là. Elle. Donc ça sur ça, ton sur ton. Je peux également la porter avec les crues. Et vous savez que j'ai également la combi dans les crues et dans le camel. La combi pantalon et la combi short. J'ai tout ce qui existe dans la Forever. Je pourrais avoir autre chose, vous savez. Je vous les ai partagées au fur et à mesure. Et maintenant, je vais aller faire la même dans le Birgiondi pour la rouille, le modèle Rust. Bien sûr. Non, bien sûr. Bien sûr. Ça m'a coûté 80 euros. Mais c'est du cuir. Ça fait travailler mon cordonnier et au moins c'est cohérent parce que la robe elle est sublime, il faut vraiment la... Parce que je portais des escarpins genre de cette couleur quoi. Et la ceinture elle est noire, ça va pas. Bon, là j'étais un petit peu insurgée, je me calme. Chérie, on suit. Je poursuis les filles les garçons avec cette ceinture que j'ai attrapée chez H&M. Je sais pas si vous parvenez à la voir parce que là à l'écran j'ai l'impression qu'elle est... C'est sur cet esprit, tu sais, cordage, les choses... je la trouve absolument magnifique. Ça, c'est pour porter par-dessus un blazer. Donc, au niveau du nombril. Et la chose, quelle est-elle? J'en ai attrapé deux. Le L et le S. Et donc, comme c'est pour porter au niveau du... Je vais garder la S et je vais offrir à l'une d'entre vous, l'un ou l'une d'entre vous, le S. Il suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo faisant mention d'elle. Je vais me faire striker ou pas? Borderline, dangerous life. Et elle est absolument incroyable. Si on ne la voit pas bien là, je vous la mets à l'écran en photo. Elle est vraiment mignonne. Sur un porté par-dessus le blazer. C'est des blazers dans ces coloris là. Le lin, tout ce que je porte là en ce moment. Donc la ceinture que je voulais vous partager. Et ensuite, je poursuis avec ben, le luxe, bien sûr. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Vous le verrez peut-être mieux ici. Maison Dior, je me suis fait un kiff. C'est à cause, ou grâce, à Manelli. Donc Manelli, dont je vous parle depuis toutes ces années, qui portait ce modèle, il s'agit de lunettes de soleil, qui portait ce modèle, je lui dis chérie, c'est quoi? Elle m'a dit, mais bébé, c'est le nouveau modèle de chez Dior. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, yes, please. Je les ai achetées, Lico Macias. Donc voici l'étui. Elles existent dans le noir et dans le marron. J'ai évidemment pris le marron. Et elles sont sublimes. Après, on aime ou on n'aime pas, mais elles sont sublimes. C'est la première fois que je les sors de la boîte, là. Je les ai vues chez mon opticien en passant. Hein. Donc, là où généralement, je ne suis pas complètement fan de la marque, là, ça passe. Ça passe. Donc le test en direct au live avec la coupe que j'arbore présentement. J'aime bien. Elles sont très différentes. À la pacholouk. Ah, la Pacholouk, Maison Dior. J'aime bien. Bon, là, j'y vois pas grand-chose, je te cache pas. Mais je crois que j'aime bien, là. La Pacholouk. Et j'aime bien le style. Elles sont ni rondes, ni carrées. C'est un peu in-between. Mais elles ont un petit esprit comme ça, rétro-vintage, que j'aime bien. Ah, la Pacholouk. Faudrait que je les vois en plein jour. Parce que là, je me rends pas bien compte. Mais... je pense que vraiment je vais les garder. J'achète peu de lunettes de créateurs. Généralement, c'est chez Tom Ford que j'achète mes lunettes de soleil. Mais là, franchement, je les aime beaucoup. Je les trouve vraiment sympas. Je les trouve vraiment, vraiment sympas. Je les trouve vraiment sympas. Donc, je pense vraiment que je vais les garder. Merci, ma Nelly, pour la reco. Je les ai vues sur elle. Donc, Nelly, c'est une beauté fulgurante. Je ne suis pas sûre qu'elle me permette de vous mettre sa bobine à l'écran. C'est une nana qui est hyper discrète et humble et même. Mais elle est d'une beauté, Nelly. Elle est rousse. Mais rousse intense. Avec des cheveux très longs. Elle est d'une grande beauté. C'est une nana, quand elle marche dans la rue, tout le monde se retourne. Elle est supérieurement belle, je veux dire. Elle est belle ou c'est douloureux. Voilà. Et donc cette teinte sur elle, c'est... Incroyable. Donc je pense que je vais les garder. Et donc, Yushibe aussi, avec le dernier article, les filles et les garçons, le dernier accessoire. Ça fait un moment que je l'ai en ma possession. J'ai oublié, en réalité, de l'unboxer avec vous. Les filles et les garçons, j'agrandis ma collection de chapeaux. Lack of color. Les Australiens. Mais le problème, quel est-il? J'ai trouvé une autre marque de chapeau.
Et leurs chapeaux sont extrêmement beaux. Moi, vous avez compris, j'ai une passion pour les chapeaux, sans vous trop vous révéler les choses. J'ai un mur, en fait. Parce que pour être sûr de ne pas les abîmer, donc les gens qui sont extrêmement fortunés, ils ont des têtes et ils mettent les chapeaux dessus. Moi, vu le nombre de chapeaux que j'ai, c'est pas tenable. Et je n'aime pas les superposer. Donc j'ai trouvé un système de crochet au mur. Ça fait un mur de chapeaux. C'est très beau. Please trust and believe. Donc cette marque de chapeaux là, ils sont d'une beauté. Mais le problème, ils sont encore plus chers que les Lack of Colors. Et les Lack of Colors, ils sont pas donnés. Mais les Lack of Colors, je les attrape. Tous les modèles que j'attrapais, je les attrapais en solde. Dès qu'ils font une OP, je les suis sur Instagram et j'achète. Parce que déjà, il y a les frais de port, ça vient d'Australie. Donc j'essaie de compenser avec le discount. Mais cette marque là, je vous la mets un peu à l'écran, je vous la mets en barre d'infos. C'est gravissime, je les ai trouvés sur Instagram. C'est grave. Ils ont des modèles. Donc pour l'instant, je suis pas malheureuse, j'en ai plein. Vous m'avez vu porter un chapeau il n'y a pas longtemps. Je vous renvoie à mon highlight outfit sur Instagram. Ah là 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 là! Oh là là! What? Oh! Wow! What? Excuse me! Il est d'une grande beauté. Oh, Marzien, il est beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Fais voir. Je ne vous vois plus, je ne vois plus rien. J'ai une mèche qui essaie de me causer des torts, là. Ben, c'est une efficacité. Lack of Color, ils sont d'une grande efficacité. Et alors, chez cette marque-là de laquelle je vous parle, je n'ai pas acheté leur chapeau, pour l'instant. J'attends de voir un peu s'ils vont pas solder ou quoi. Mais en tous les cas, dans l'intervalle, j'ai attrapé chez eux quelque chose qui n'existe pas chez Lack of Color, qui est ce kit. Parce que moi, je porte un chapeau. Je porte un chapeau avec du make-up. Et même si je ne porte pas du make-up, je porte un chapeau, je transpire. Je suis un être humain, believe it or not. Là, le petit kit d'entretien pour rafraîchir le chapeau pour les choses. Bien sûr. Le kit lui-même, il n'était pas donné. Mais qualité, je suis allée voir les revues et tout. Mais là, celui-là, je suis en amour. Là, c'est une grande beauté, ce chapeau. Donc, les filles et les garçons, c'est par lui que je conclue cette longue July Fashion qui vous parvient donc ce 1er août, ce dimanche 1er août. J'espère de tout cœur que vous avez découvert les pépites, les soldes et les choses. Donc, comme toujours, du luxe et du pas du tout luxe. Tous les ventailles des prix, j'espère de tout cœur que vous avez repéré des pépites et des choses, tous les liens en barre d'infos. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour la coquine. Et comme à l'accoutumée, et les bonnes nouvelles venant en chaîne, comme à l'accoutumée, le bon d'achat de 100€ pour l'un ou l'une d'entre vous, je vous renvoie à mon Instagram. Donc commencez déjà à commenter, vous connaissez les conditions, ce sont toujours les mêmes. Être abonné, la chaîne, l'Insta, laissez un commentaire, la pépite qui vous fait le plus envie dans cette vidéo. Et je viendrai piocher dans les commentaires sous cette vidéo, pas sur Instagram. Je vous l'annonce sur Instagram, mais je pioche les commentaires ici. Vous avez saisi. Ça a l'air un peu compliqué, mais je fais la même chose depuis très longtemps. À chaque vidéo, franchement. Donc les filles et les garçons, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse très 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 fort. Mouah ! Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Passez un très très bel été. Et je vous retrouve tout vite. Bye.